Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière, un peu comme la vidéo que je vous ai mis la dernière fois. Ma première vidéo, bah là en fait c'est une vidéo que j'avais tournée il y a à peu près 3 ans et demi, ou 4 ans même je pense, avec World Supercar, je sais pas si vous le connaissez. D'ailleurs vous avez sa chaîne YouTube qui est dans la description avec son Instagram si jamais ça vous intéresse. À la base c'était sa vidéo qui m'a gentiment renvoyée en fait pour que je puisse la réutiliser aujourd'hui. Et pour que je puisse la reposter. Donc c'est une vidéo sur un Classe G 6 roues. Donc c'est un 6x6 ça s'appelle. Il a 2 roues à l'avant et 4 roues sur l'essieu arrière. C'est un double essieu. Il faut le permis poids lourd pour conduire cette voiture. Parce que c'est une voiture qui est extrêmement lourde, extrêmement grosse. Et c'est un pote à moi, toujours mon ami aujourd'hui, qui s'appelle ABF. Voilà, sur Instagram il s'appelle comme ça. Putain, je mets la capuche parce que c'est une voiture de gangster, j'avais oublié. Donc il faut que je fasse un peu de... Donc en gros c'est une voiture qui est toute en carbone, qui était peinte, sur laquelle on a mis un camouflage bleu après. Elle a l'intérieur qui est tout bleu, qui est tout simplement magnifique aussi. Préparation moteur par Mansory, donc c'était un one of one, c'est-à-dire c'était un modèle unique dans le monde. Il n'y en avait que un comme ça, avec cet intérieur, pardon, le ciel étoilé. Donc c'est-à-dire que le plafond de la voiture, le ciel de toit comme on dit, était allumé de toutes les couleurs, on pouvait choisir la couleur, etc. Donc c'est vraiment une voiture qui était magnifique, unique, et voilà, en gros, impressionnant. Et voilà, donc je vais vous laisser maintenant regarder la vidéo qui arrive, c'est une vidéo qui dure une vingtaine de minutes à peu près, au cours de laquelle on fait un essai de la voiture. On est majoritairement dans la voiture, il n'y a pas trop d'images de l'extérieur de la voiture, on parle, on donne nos ressentis, on tourne dans Monaco avec une voiture qui est tout simplement énorme, qui est impressionnante, parce que pour moi c'était impressionnant de conduire une voiture comme ça. Elle est hyper haute, elle doit être à 3 mètres du sol. C'est un truc de fou furieux. L'échappement, c'est Mansory aussi, il fait un bruit de malade mental. Et j'ai une voiture qui vaut quand même entre 1,5 million et 2 millions d'euros dans les mains. Donc tu vois, on parle pas non plus de n'importe quelle voiture. Vous allez voir que c'est une voiture de malade mental. Là, sur cette vidéo, elle est couleur grise, un peu crème, un peu blanc comme ça. Et ensuite, on l'a passée, comme j'ai pu vous le dire, en camouflage. Donc quand elle était en camouflage, elle était beaucoup plus belle. Mais je vous laisse regarder, voilà, cette vidéo. Et on se retrouve juste après. Bisous les amis. Ah, heureusement, il y a un marchepied. Parce que là, on est à un bon plus de 50 cm, je pense, en hauteur. Petit SV Roadster qui passe, mais. Oh bah, là, avec ça, la SV Roadster, elle passe inaperçue. Mais en fait, si elle passe devant, on risque de lui rouler dessus. Ouais, tu peux lui rouler dessus si il t'énerve un peu. Tu peux lui rouler oh, dessus. Le bruit de la porte. Attendez, excusez-moi, je vais vous le refaire. Voilà. C'est tellement. C'est un bruit authentique. C'est ça. Donc voilà, bon là tant qu'il y a un peu de lumière, on va pouvoir vous montrer un peu l'intérieur. Donc c'est un véhicule, donc un modèle unique, donc one of one, donc un de un en français, qui a été fait petite pour un blague. de mes meilleurs amis, voilà, donc ABF sur Instagram. Donc voilà, ça c'est pour montrer bien que tu vois, il n'y a pas de doute, tu vois, c'est bien sa voiture, etc. Il n'y a aucun doute possible. Donc ils ont fait tout l'intérieur en carbone, comme vous pouvez constater, donc le gros carbone Ouais, c'est comme le. Mansory fait C'est si bien, ça, ouais, voilà. exactement. Sinon après, t'as l'impression d'être dans un Classe G normal, quand tu regardes pas dehors, quand tu regardes juste le poste de conduite, etc., c'est tout pareil, tu vois, donc le frein à main qui est au même endroit, le levier de vitesse qui est exactement le même, bon là il est en carbone, mais je veux dire, s'il était normal, ça serait le même, le volant qui est le même aussi, les mêmes compteurs, etc. Donc tout est quasiment pareil, sauf ça qui a été redessiné un peu différemment. Donc voilà, il a fait un intérieur bleu un peu violet, avec Ouais, ses c'est. initiales là sur l'appui-tête. On le voit peut-être Voilà, pas, mais c'est on voit brodé peut-être en pas, noir, voilà, c'est brodé en noir. ABF, ça c'est joli. Donc il a tout fait personnalisé. Alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est le toit. Ah Le ciel étoilé ouais. comme dans une Rolls en fait. Mais multicolore. Voilà, tu peux changer de couleur, il a mis toutes les couleurs, donc il y a vert, Ah mais tu peux rose. mettre toutes les couleurs, toi, tu peux Alors, choisir? moi je sais pas le régler, le problème c'est que quand ça part en couille, après il change automatiquement de couleur et ça devient un peu embêtant, tu Ça fait vois. un peu discothèque. Voilà, ça fait un peu discothèque, donc je préfère pas y toucher pour être honnête. Ensuite ici, c'est un système autonome de gestion de pression des pneus. Donc c'est-à-dire quand tu ouvres ça, tu actives avec ça et ensuite tu peux choisir toi-même avec les flèches qu'il y a là, plus ou moins, donc pour augmenter la pression des pneus, ça s'affiche ici. Celui-là, c'est le réservoir de secours, parce que tu as deux réservoirs dans cette Ah voiture. Tu ouais? as le réservoir principal et le réservoir de secours. Donc ça, c'est le réservoir de secours. Bon, ça Donc va, tu on est actives un peu pareil. au-dessus de la moitié, on est bon. Voilà, on est Ah, t'as bon. un bouton pour activer Alors en le fait, réservoir voilà, c'est de... comme dans les avions, tu vois, tu lèves et tu as la là. gâchette en dessous. C'est magnifique. Et voilà, donc sinon, après, mis à part ça, donc tu vois, voilà, faut bien claquer les portes pour que le marchepied se relève.
Et mis à part ça, bon après donc c'est un moteur qui a été fait par Mansory, donc c'est pas du tout un moteur d'origine, tu vas entendre tout de suite. Voilà, donc, avec un échappement libre. Ça, quand il démarre, il fait. Voilà, c'est ça, tu vois ça. Donc, c'était quand même beaucoup mieux. Donc vous savez tous que je suis un immense fan du Classe G. Et Brabus Mansory niveau son, c'est de la folie. Ça fait beaucoup de bruit. Le frein à main qui est assez dur, parce que la voiture est très très lourde. C'est grâce au frein à main de cette voiture que tu as développé ces muscles. Voilà, exactement, c'est la force de conduire ce véhicule. Donc là, alors, c'est une voiture qui est très grosse, très longue, qui braque très mal, ça faut dire la vérité. Donc là, je ne peux pas faire mes tours sur un rond-point normal, je suis obligé de tout faire en marche arrière. J'ai remarqué que quand on passe la marche arrière, ah bah là, ça, il y a une orientation des miroirs qui change voilà, automatiquement. Bah ça, c'est pour les jantes normalement, mais là, tu t'en fous vu que tu casses le trottoir. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais bon, on va éviter de casser les trottoirs de Monaco parce que ça peut poser problème quand même. Voilà. Il faut vraiment, vraiment faire attention quand tu fais une marche arrière parce que t'as pas de caméra. Il suffit qu'il y ait un piéton qui passe derrière que tu vois pas, le rétro, tu vois rien. Parce ah, il n'y a pas de caméra de recul. Il n'y a pas de caméra de recul. Bah, c'est très long ça, en c'est fait. Con. Donc pour tirer un fil de derrière jusqu'ici, tu vois. Mais bon, ouais. Là on y est, voilà, on a réussi. Alors, il faut faire aussi très attention à la réaction que les gens ont quand ils voient la voiture. Parce que, tu vois, quand t'as une voiture normale, ou même un Classe G Brabus normal, les gens regardent, mais sans plus, tu vois. Ouais. Le problème avec ça, c'est que les gens regardent plus que si tu roulais en Bugatti ou en la Ferrari. Ouais, ils sont obnubilés. Donc des fois les gens ont des réactions bizarres, ça veut dire tu peux avoir un mec, il va s'arrêter net devant toi, il va piler, tu sais pas pourquoi, pour en fait faire une photo, tu vois. Donc il faut vraiment, quand tu conduis cette voiture, faire très attention aux réactions que les gens ont. Là, je sais pas si vous avez entendu, les portes se sont verrouillées, on dirait un fusil d'assaut qui se charge. Ouais. Ça fait beaucoup. Alors c'est pas la voiture idéale pour Monaco, je ne cache pas que ah bon. Smart c'est un peu mieux, tu vois. C'est vrai que c'est un petit peu sur l'échelle de la sensibilité l'opposé d'une Smart. Voilà. Bah, on peut mettre une Smart dans la soute derrière en fait, et la transporter. Ça c'est pas un souci. T'arrives dans une rue trop petite, hop. Voilà, là tu vas voir cette rue. Donc cette rue, le problème c'est que j'ai fait une erreur de la prendre parce qu'à mon avis on passe même pas, mais je vais essayer quand même. Parce qu'il y a un petit lacet. Mais voilà, au moins on vous fait vivre l'expérience 6x6 dans les jusqu'au moments, bout. Voilà, dans les moments un peu plus embêtants aussi. Donc en fait, tu vois, tu passes dans des rues des fois et une fois que t'es dedans, tu te dis merde, peut-être que là ça va pas passer. Mais en fait, on est tellement en hauteur aussi, c'est déroutant. Alors là, tu vois, déjà là ça devient sympathique. Oh là 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 là. Donc là, on fait face à un problème qui s'appelle l'épingle. Voilà, donc on va mettre les warnings pour que les gens comprennent. Voilà, qu'ils doivent s'arrêter parce qu'on a manœuvré. Donc là, faire attention, tu vois. Pas de caméra, encore une fois. Oh, le bruit! Tout le monde filme. Tout... Parce que les gens s'attendent à ce que tu l'abîmes, tu la tapes et ils auront. La vidéo du siècle. La vidéo du siècle, voilà, mais on va se passer. Donc voilà, en fait, tu vois, ça c'est un peu les aléas du 6x6. Quoi. Ça veut dire, des fois, tu te dis merde, est-ce que je vais passer quoi. Où il y a des rues c'est dans lesquelles tu sais que tu passeras carrément. Et puis même tu le gares. Ben, c'est une voiture qui rentre dans aucun parking de Monaco. Ça fait 2 semaines que je l'ai ici, que je conduis. Et ça fait 2 semaines que je reste à l'hôtel de Paris. Ah, au voiturier quoi. Voilà, au voiturier, parce que c'est vraiment les meilleurs voituriers de Monaco. Il n'y a pas beaucoup de gens à qui je fais confiance, tu vois, pour des voitures comme ça, mais eux, du coup, je suis vraiment tranquille et je le laisse vraiment qu'à eux. On va écouter un petit peu le bruit. Oh là là. Et combien de chevaux tu sais? Il fait 750 ou 800 à peu près. Mais si tu veux, c'est tellement lourd. Ouais. Là, il faut ça pour le faire avancer. Là, faut qu'il décolle. Après, le moteur chauffe beaucoup aussi. Ça veut dire quand tu conduis d'une manière agressive, bon, c'est pas fait pour ça, tu me diras, mais ouais. Il chauffe vraiment énormément. Donc là, regarde, on peut montrer dehors. Ouais. En fait, ça, c'est les pleins phares, si tu veux. Oh donc ça, c'est une rampe de LED qui s'allume ah ouais sur la voiture, tu vois. Pour donc faire ça allume carrément les gens. Voilà, c'est excellent. Les gens, quand tu vois, regarde, tu vois, ça leur brûle carrément le... Et t'as pas une sirène qui va avec? Non, non, ça, c'est interdit, tu vois. Ça, c'est légal, hein, mais il faut vraiment l'utiliser en forêt. C'est extraordinaire. Alors, pour faire un safari, quoi. T'as les pleins phares normaux aussi, donc quand tu combines les deux,
tu vois le jour en pleine nuit. Donc là, on va voir la réaction des gens, c'est assez drôle. Ouais. Là, les gens ne comprennent pas trop ce que c'est. On est même salué par les voituriers. Ah, c'est des amis maintenant. Ça fait longtemps qu'on les connaît. Ils sont très gentils. Et puis là, t'as des gens qui rigolent, t'as des gens qui pleurent, t'as des gens qui... Ah non, on est complet là. Donc là aussi, tu vois, assez stratégique parce que... Ah oui, elle est tellement longue. Les ailes sont très larges, donc si tu braques trop tôt, bah, le problème c'est que tu vas arracher une aile en carbone. Ah, là... et lui, il risque... Non mais il va reculer. Généralement, les gens s'inclinent. Mais en fait, c'est ça. C'est tellement impressionnant que tu dis, ok, on va tout faire pour pas se faire écraser parce que là, c'est... Bah ouais, c'est, si tu veux quand tu la vois... Tu vois, une Rolls Dropped qui est à la base un yacht. Ouais, c'est un jouet. Là. C'est un jouet à côté de ça. C'est une échelle, mais totalement différente. Bah, tu vois, un classe G normal, ouais. T'as l'impression que c'est un jouet aussi, quoi. Enfin, tu vois, c'est une voiture qui est disproportionnée au possible. Ouais. C'est vrai que pour Monaco, c'est peut-être pas tout à fait idéal. Bah, moi, franchement, l'expérience que j'en ai, c'est pas dérangeant. Tu vois. Et t'arrives après, à. Ouais, après, je te dis, pour le garer, c'était un problème, mais heureusement, les voituriers du Café de Paris sont là, ils sont très bons, etc. Donc, j'ai pas d'inquiétude. Mais après, c'est vrai que t'as des voituriers, des fois, qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Tu leur donnes ça, ils vont le rayer, ou ils vont mal le garer, ou ils vont le frotter derrière, ou taper le pare-choc arrière. Donc une fois que tu sais que tu as des gens compétents pour garer la voiture pour toi, après le conduire en ville, tu vois, c'est pas handicapant, je veux dire, ça se conduit quasiment normalement, il n'y a pas de soucis, tu vois. Ouais. Mais tu vois, voilà, la réaction des gens, bah, des fois il y en a, ils s'arrêtent, ils restent bouche bée et ils parlent plus, ils te regardent, tu vois, ils avancent plus. Hier, il y a même un mec, bon après les gens vont me croire ou vont pas me croire, je peux le jurer qu'il y a un mec dans les escaliers, je suis passé devant des escaliers, il y a un mec qui a été tellement interloqué qu'il s'est cassé la gueule devant la voiture, il a glissé en arrière, il s'est explosé par terre. Ah merde. Bon, le pauvre, tu vois, mais c'est pour montrer à quel point la réaction des gens est disproportionnée. Faire attention aux piétons aussi, tu vois. Mais c'est ça, ils sont tellement hauts. Oui, voilà, tu les vois pas en fait. Tu les vois pas. Tu les vois, mais au dernier moment, quoi. Et puis si tu cartonnes un mec avec ça, c'est quasiment fatal à faire. Ouais. Après, ce que j'aime bien, c'est quand tu vois de dehors le capot en carbone, là, comme ça, avec tous les détails en carbone, tu vois les ailettes sur le côté. Ouais, là on ne doit pas bien voir, mais deux jours ça doit briller. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Carbone, ouais. C'est vraiment pas mal. Après, voilà, ça se conduit tranquille. Tu vois, tu conduis comme ça. Ah, oui, il vaut mieux pas essayer de. Tu peux accélérer, toi tu crains rien. Le problème, c'est que les autres, si tu cartonnes quelqu'un, vraiment, même en voiture, même une Porsche, ouais, mais je veux dire, même un Cayenne, quoi. Dynamiquement, dans des virages, ça. Ah, ça tient, hein. Moi j'ai déjà conduit de manière un peu plus prononcée, franchement, ça tangue un peu, mais ça va. Oh là, le bruit des échappements du G. T'as le bruit aussi, c'est sifflement. Du turbo, ouais. Faut vraiment être genre hyper concentré parce que vraiment la première connerie que tu fais, ça peut vraiment être casse-couille. Ouais. Oh, mais le bruit il est. Ah, le bruit est incroyable. Ce que j'aime bien, c'est que c'est ce genre de voiture où tu peux accélérer, faire écouter un petit peu le son sans rentrer dans la voiture de devant. Ah, ben, comme ça. Exactement. Ça. Oh là. J'appelle ça sortir les muscles un petit peu. Ouais, c'est bien ça. Mais surtout, moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est la hauteur. Genre là, le haut de la porte, il arrive au niveau de la tête des gens. Ah oui, bah, c'est hyper haut. Du coup. Je crois que 4-4 au carré, enfin 4-4-2, 4-4 au carré, ça dépend comment les gens appellent. Ouais. Est moins long que ça, mais il est plus haut. De quelques centimètres, mais il est à peine plus haut. Mmh. Donc c'est encore plus. Mais bon, c'est moins long là. Mais clairement, avec cette hauteur, là, tu peux vraiment dire que tu regardes tout le monde de haut. Ouais. Au sens propre. Ah, au sens propre. Et aussi, peut-être, comme au sens figuré des fois.
garde la lumière allumée pour avoir un petit peu de lumière dans la cabine quand même. Histoire qu'on n'ait pas que son, mais son et lumière. Oh, on va faire une petite accélération. Ou les imperfections de la route, faut faire beaucoup plus attention qu'avec une voiture normale, parce que si tu veux, tu as tellement de poids que si tu, pendant toute la durée de vie de la voiture, tu passes tout le temps à fond, bah tu fracasses tout ce qui est en dessous, les amortisseurs. Bon, alors pour descendre, quand même c'est assez haut, heureusement, hop, petit marchepied illuminé, ta-da-da, on descend comme un roi, et écoutez-moi ça. Bon, du coup, on va écouter ce démarrage. Ouais. Allez. Oh, le bruit est impressionnant et surtout quand il accélère, la voiture se penche un peu. Ouais. Bon, allez, c'est reparti. Faisait un bruit, ça serait ça. Ça serait ça. Ah, c'est vrai que ça fait vraiment bon. Mais c'est un bruit terrifiant. Et de dehors, c'est pire parce que là, on est dedans, tu vois. Mais de dehors, ça fait vraiment bon. Ouais. Ouais. On dirait que le ciel va s'effondrer. Quoi. Ouais. Mais en fait, quand t'es dans un tunnel avec les murs, donc un de chaque côté, ouais, ça te renvoie le bruit, tu vois. C'est-à-dire le bruit va te taper sur le côté et te revient dessus. Donc c'est là que t'entends le bordel que ça fait. Oh là 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 là. Parce que pendant le salon Top Marque, j'ai fait un tour dans un G44 au carré, ouais, Brabus, ouais, et il avait juste les éléments carrosserie et tout. Et il n'avait pas le moteur et, le, ouais, et l'échappement. Ah, il n'avait pas ce bruit-là. Ça transforme tout. Ah bah oui, ça change tout vraiment. Puis là, on a le ciel étoilé, comme dans une Rolls-Royce, mais version multicolore. Version, tu peux choisir les couleurs même. T'as toujours envie, tu sais, de faire ce petit bruit là, tu sais, ça. Ouais. Genre quand en fait, là. Tu conduis que par à coup, en fait. Là, tu mets un petit coup, tu laisses rouler. Et quand ça roule plus assez, bah tu remets. C'est comme ça que ça se conduit, hein, classe G. C'est vraiment ça. Tu vois, c'est pas fait pour, c'est pour pas appuyer continuellement, tu vois, c'est pas raccourci. Genre, tu mets un petit coup de gaz, il roule, tu vois, comme ça, tu vois. Là, tu laisses rouler, et là, il n'y a plus assez, donc... T'en mets une louche. Voilà. Et là, tu le relaisses. Bon, là, il y a un piéton, donc on va pas le refaire, sinon... Non, c'est pas un piéton, c'est quelqu'un qui est ivre. On comprend pas où est-ce qu'il va. Finalement, on vient de trouver plus gros que nous, mais là, ouais, c'est un semi-remorque. Il faut vraiment qu'il fasse attention parce que s'il raille la voiture, ça va mal se passer pour lui. Oh là, il faut vraiment pas qu'il touche la voiture. Tu vois, pourquoi je te dis que pour conduire un 6x6, il faut avoir un peu de notion de conduite, parce que là, sinon tu paniques, tu vois. Et là, du sang-froid, ouais. C'est le moment où on va laisser la voiture donc au voiturier du casino de Monaco. Moi,
bonsoir. Bonsoir. Donc c'est mon cher ami Richard qui va s'occuper de garer c'est la voiture. C'est Pierre qui va garer la voiture, non? C'est pas ça, Pierre? Comme tu veux. Oui. C'est un plaisir. Merci. Voilà. Au revoir et bon à bientôt. Hein. Merci. Merci beaucoup. C'est très gentil. Hein. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Les voitures comme ça, quoi. La gare directe, il n'y a jamais de problème, jamais rien. C'est vrai que c'est fait sans accro. Bah, quand tu vois la quantité de monde qu'il y a, ouais. Franchement, moi, garer ça du premier coup, tu vois, je pense pas que j'y arriverai. Merci beaucoup. Donc les amis, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo que j'avais tournée avec World Supercar. Comme vous avez pu le constater sur la fin, j'étais maigre à cette époque-là. Je pense que j'avais 35 kilos, 40 kilos de moins qu'aujourd'hui. J'étais vraiment super maigre. Mais bon, voilà, après, voilà, comme j'ai dit, ils sont passés, il n'y a pas de problème. Donc je vous mets ça avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner des commentaires. Qu'est-ce qui vous a fait rire le plus dans cette vidéo, sachant que c'est une vidéo qui a 4 ans. Donc c'était mes expressions à l'époque, mais je sais pas moi, les mimiques que j'avais et tout. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça va me faire rigoler un peu. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous comme d'habitude. Un grand merci à World Supercar, je vous rappelle qu'il y a sa chaîne dans la description avec son Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir. Bisous la famille et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.